الحيمو المالي ومكاين الحيمو المالي والاش ام تي المو نقول لكم حاجه واحده باقا زوينه في الحي التاريخ احنا ما كنعرفو لا في الغيوان لا والو كنعرفو الراجل Ce film s'appelle L'Hsla, qui veut dire l'impasse. Pourquoi ce film ? Parce que ça part, le point de départ de ce film, c'est une chanson de Mchaheb qui s'appelle L'Hsla et qui dit بعد ما كنت في نومي هاني بقيت لهم وحدي ممدود فين هما شلا ناس زماني كلهم غابوا دوك الاسود. Et donc l'idée c'est de prendre ce groupe Mchaheb, ses paroles et cette chanson qui était un hit dans les années 70 et d'aller à la rencontre de la jeunesse aujourd'hui de Hey Mohammadi, de lui poser la question où sont allés les gens de mon passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi dans les années 60-70, le Hey Mohammadi était un vivier de talents, d'artistes, de sportifs, d'intellectuels. Et aujourd'hui, il tombe un peu en décrépitude. Il y a la pauvreté, la misère, même s'il y a beaucoup de belles choses qui se passent encore là-bas, mais c'est devenu c'est un quartier qui a perdu de son étiquette, de sa légende, on va dire. Et en partant à la rencontre de ces jeunes, je les ai filmés pendant une année. C'est des jeunes marginalisés. J'ai plongé dans leur quotidien, j'ai vécu plein de choses avec eux. Et j'ai découvert que oui, ils sont fiers de leur passé, mais qu'il y a aujourd'hui une convergence entre le passé et le présent. Et cette convergence, c'est le rage, hein, parce que le Hey Mohammadi est historiquement Tass, mais aujourd'hui, cette nouvelle génération est majoritairement Rajaouia, et c'est dans les chansons du Raja qu'ils se retrouvent. Autant ils se retrouvaient avant dans les chansons Nasl Riwal, Mchaheb, Jil Jilala, ils allaient dans les concerts, etc. Aujourd'hui, c'est dans les stades que ça se passe. En 2012, j'ai été agressée par les hooligans, comme on dit, ça s'appelle Shtaba, et on le voit dans le film, c'est ces mêmes jeunes qui m'ont agressée, et c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée, c'est quelque chose qui m'a donné envie de comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette révolte. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces émeutes. J'avais envie de les écouter, j'avais envie de leur rendre leur dignité, de les humaniser. L'idée, c'est que je suis partie, avant même de les filmer, je suis partie, durant 3 mois, je partais 2-3 fois par semaine, je me posais avec eux, j'ai appris à les connaître, ils ont appris à me connaître, ils m'ont emmené avec eux au stade, etc. Et puis, c'est surtout grâce à Barry, le chanteur, le musicien Barry, parce que lui, c'est un Oud l'Hé, et c'est lui qui m'a fait entrer dans l'Hé. Ils veulent être reconnus et entendus, ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir, et ça a été une magnifique aventure humaine à ce niveau. Qu'aujourd'hui les choses ont encore plus changé dans le Hey Mohammadi. Ça me brise un peu le cœur de dire qu'aujourd'hui ils vivent une situation encore plus difficile que dans le film, ce qui n'est même pas imaginable. Et moi ce que j'ai envie, et c'est pour ça que c'est important que ce film passe sur 2M, c'est que les gens, en regardant cette jeunesse, parce que c'est la jeunesse du Hey, mais c'est la jeunesse qu'on retrouve dans tous les quartiers populaires marocains, que les gens prennent conscience de ce qui se passe et prennent conscience de qui ils sont et finalement créer qu'il n'y ait plus cette fracture entre les deux mondes et que même l'État et la société civile et même à travers la culture, à travers plein de choses, il y a des choses à faire aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il faut les sauver parce que j'ai pas de solution, parce qu'un artiste en général, il est là pour poser des questions, pas pour offrir des solutions. Mais il y a une urgence, ça c'est sûr, il y a une urgence et on le ressent dans le film.